J'ai dit Martiniquais, courage. Ah oui. Martiniquais, courage. Les Martiniquais ont raison. Écoutez, actuellement, je n'approuve pas la violence, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Ces gens-là, le gouvernement réagit seulement quand vous cassez. Si vous marchez gentiment, ils ne vous écoutent pas. Ils vous prennent pour de bêtes. Si vous faites tout, ils ne vous écoutent pas. Mais quand vous commencez à casser, quand vous commencez à brûler, ils parlent de vous et ils réagissent. Mais ce sont des malades. Macron, Macron, les gouvernements, vous là, les ministres français, mais vous avez fait l'ENA, vous avez étudié, mais je vous trouve franchement sans mépris, mais vous avez un problème dans votre tête. Et c'est un peu ça avec le gouvernement aujourd'hui. Il faut que les gens descendent dans la rue. Voyez, par exemple, à Marseille, il y a l'insécurité. Hein. À Marseille, il y a l'insécurité. Ils prennent des mesures comme ça, mais ça ne s'arrête pas. Mais le jour où les Marseillais vont descendre dans la rue, brûler les immeubles, casser tout, et là, vous allez voir, ils vont prendre des mesures vraiment draconiennes. Il fallait. Ça fait combien de temps que la vie est chère? Est-ce que c'est maintenant qu'on le sait? Entre nous, est-ce que c'est maintenant qu'on sait que la vie est chère aux Antilles? Mais non, c'est de la méchanceté. Moi, je comprends le peuple martiniquais et bientôt c'est la Guadeloupe. Et ce n'est pas normal cette injustice. Les gens, la vie est 40% plus chère dans les dom-toms qu'en France. Le gouvernement le sait et ne fait rien. Ça fait des années que c'est comme ça. Une population comme les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la vie est 40% plus chère et il y a, combien je peux dire, 8 fois plus de chômeurs, 8 fois, 40% de la population à 30% de la population est au chômage. Et la vie est 40 fois pour cent plus chère. Pourquoi? Parce qu'il y a une famille de béquets. Je ne dis pas que tous les béquets sont méchants ou mauvais. Parce qu'il y a une famille de béquets, contre la loi, détiennent le monopole. Monsieur Ayotte, personnellement, je l'ai rencontré. Je le trouvais sympathique. S'il m'écoute, monsieur Ayotte, je suis étonné. Tu as assez d'argent quand même. Sois correct et juste. Il est sympathique. Moi, je l'ai vu, je le trouvais sympathique. Mais je ne comprends pas son attitude. Est-ce que c'est lui qui. Est-ce que c'est lui ou bien c'est son entourage qui l'influence parce qu'il a un certain âge? Oui, mais il détient 40% du marché. Ce qui est contraire à la loi. Toi, tu ne payes pas tes impôts. La loi vient te saisir tes biens. Tu ne payes pas ceci. On vient te. Tu comprends? Le petit délinquant qui vole un vélo, on l'harcèle. Eh, mais ce grand monsieur, qui contre la loi détient 40%, ce qui est interdit par la loi, un groupe ne peut pas détenir plus de 25% du marché parce que ça tue la concurrence. Si quelqu'un vient s'installer ici, voyez, quelqu'un vient s'installer ici à Paris, en Guadeloupe. Il crée son supermarché. Mais pour importer la nourriture, il doit passer par le port détenu par le concurrent, le groupe Ayotte. Si quelqu'un importe les voitures, pour importer les voitures, il doit passer par le port ou le bateau de transport qui est contrôlé par son concurrent. Et ce qui fait que tout concurrent qui vient dans le marché antillais est cassé. C'est anticonstitutionnel. Mais alors, qu'est-ce que vous faites pour appliquer la loi? Il faut que les petits jeunes, moi j'ai appris qu'il y a un jeune qui est mort. Bon, allez, il voulait prendre la voiture en contresens parce que la route était bloquée. Accident, il est mort. Je suis désolé.
Franchement, je vous dis, je suis désolé. Voilà pourquoi je prêche pas, je commence pas. Ça, c'est mon émission. En cas parlé. Si vous croyez que je suis un couillon, je vais prêcher les Jésus revient tout. Et puis, mes frères sont en train de mourir et mourir de faim. Alléluia, vous vous trompez. Moi, je suis anti-système, je suis révolutionnaire. Ouais, ouais. C'était l'histoire d'une jeune femme que j'étais allé visiter chez elle à la maison. Elle était triste et elle pleurait et croyait plus au bonheur. Perfect plan for your life. Dios tienes un propósito maravilloso para tu vida. Dieu a un plan pour ta vie, ma soeur. Arrête de t'inquiéter et de pleurer. Aie foi en Dieu. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. L'amour de Dieu ne changera jamais pour toi. Jésus était venu mourir à la croix pour toi. Si Dieu a donné son Fils unique pour toi, comprends ta valeur devant lui. Tu as une valeur incomparable pour Dieu. Il va te bénir. C'est qu'il nous faut faire le choix de Dieu. Une femme peut être bien, un homme peut être bien, mais s'il n'est pas celui qui t'a été destiné, tu seras toujours déçu. Alors il faut te laisser guider par le Saint-Esprit pour tomber sur la bonne personne. Il faut laisser le Saint-Esprit te guider, qu'il soit ton berger, et il va te conduire sur le bon chemin. Mi amigo, hay un Dios en el cielo. Dios cuida de ti. Dios es amor. God will bless you. I believe in the power and in the love of Jesus Christ for you. Don't cry, my friend. Jesus loves you more than you can imagine. Jesus loves you, my sister. Yes. Tama libio mama. Tika polela. Oko misa la pas na mote ma bamba. Oebi, tamoza polela. Mule kondoka na katia mote manangai. Tamo sama ya miso mama. Tugia na biota kufuna biso wa mote na kwanga. Tama kupambula. Thank you.
Bonjour, chers amis et frères et sœurs. Je suis très content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Dépendamment de votre fuseau horaire, ce matin ou ce soir, ou cet après-midi. Je tenais à vous dire, tous les jours de lundi à jeudi, nous sommes sur Télé Anti à 14h, heure de New York. Et je tenais à vous dire que nous sommes sur Télé Anti. Chaque 6 mois, les conditions changent. Chaque 6 mois, les programmes changent, les heures changent. Le lien le plus sûr sur onction.com, vous voyez. Donc, si vous n'arrivez pas à retrouver l'émission pour une raison ou pour une autre, vous allez sur onction.com. C'est le lien le plus sûr. Parce que chaque 6 mois, chaque 3 mois, ça change. Des fois, le programme n'est pas là parce qu'il y a course de vélo, donc ce n'est pas quelque chose qui est fixe. Ce n'est pas facile pour moi. Mais si pour une raison, pour une autre, vous ne voyez pas l'émission passer, vous allez sur onction.com pour avoir les informations et savoir qu'est-ce qui se passe. OK? Mon site personnel, c'est onction.com. Alors, je voulais vous dire que nous sommes dans un monde spirituel. Et souvent, nous oublions cela. Souvent, nous oublions que nous vivons dans un monde spirituel. Et le manque de discernement, le manque de révélation, fait que beaucoup des enfants de Dieu se font avoir. Je vous raconterai l'histoire d'une jeune femme qui a failli se marier avec un sataniste. Un sataniste. Le monsieur paraissait bien, paraissait correct en Afrique. Parce que des fois, lorsque je donne des exemples, il y a certaines personnes qui se prennent concernées à tort. Malheureusement, il y a des gens qui se sentent concernés à tort. Et ils ne savent pas que Bishop Eli a plus de 1 300 000 abonnés seulement sur TikTok. Et sur Facebook, j'ai plus de 400 000 fans qui me suivent, sans compter les autres réseaux. Donc j'ai affaire à beaucoup de gens qui me donnent leur témoignage, leur histoire. Et madame, monsieur, mon frère, ma soeur, quand ton nom n'est pas cité, on peut parler d'un exemple de vie, d'un témoignage de quelqu'un qui peut ressembler à ton vécu, mais ne t'imagine pas automatiquement qu'on est en train de parler de votre vie. Quand on ne cite pas votre nom, ne vous sentez pas concerné, ne vous imaginez pas concerné. Et cette femme a failli se marier avec un sataniste. Le monsieur était un haut cadre, poli, très beau, très présentable, amoureux. Mais vous savez, la Bible dit que Satan se déguise en ange des lumières. Il n'est pas étonnant que ses serviteurs se déguisent en serviteurs de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce verset. Satan, hein,
se déguise en ange de lumière. Voyez. Nous allons voir ce verset, j'aimerais vous le citer. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Nous allons essayer de lire à partir du verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étonnant ou étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je vais relire 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 14, pour ceux qui ont leur Bible en main. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même, leur père, se déguise en ange de lumière. Amen. Donc Satan se déguise en ange de lumière. Et croyez-moi, voilà pourquoi je vous dis toujours, tout ange que vous voyez n'est pas toujours un ange de Dieu. Toute vision que vous recevez n'est pas toujours une vision de Dieu. Toute apparition n'est pas toujours une apparition divine. Vous voyez, un jour, je connais un témoignage historique de Martin, le réformateur. Un jour, il était en train de prier. Il a vu Jésus-Christ qui lui est apparu. Je vous dis, il a vu un homme qui ressemblait à Jésus, qui lui est apparu. Et cet ange qui avait l'apparence de Jésus lui a demandé de s'agenouiller devant lui et de l'adorer. Et quand il a voulu s'agenouiller, le Saint-Esprit lui a dit, « Regarde-le bien, il a été couronné, il est déjà couronné, qui l'a couronné ?» Et Martin Luther a demandé à ce Jésus, « Il est écrit, il sera couronné par ses saints, mais toi qui t'as couronné ?» Et ce faux Jésus, qui avait tout de Jésus, sauf la vérité, il s'est transformé en Satan et il a disparu, il a pris la fuite. Vous voyez, seule la parole de Dieu est la vérité. Ne mettez jamais les apparitions, ah j'ai vu mon grand-père apparaître, ah j'ai vu, il y en a qui voient même des morts, ah j'ai vu mon grand-père apparaître et il m'a dit cela. Les morts ne peuvent plus venir sur terre. Voyez, les morts ne peuvent plus venir sur terre. Ah, j'ai vu la Vierge Marie qui est à Paris. Mais comment est-ce que la Vierge Marie peut apparaître? La Vierge Marie est dans le paradis. Il est avec Jésus. Il n'a rien à faire sur terre. Toutes les histoires des apparitions ne sont pas bibliques. Montre-moi dans la Bible où un mort revient. Toutes les prières adressées aux morts que vous pouvez appeler saints ou que vous pouvez appeler pas saints ne sont pas bibliques. Dans la Bible, il n'y a pas une seule prière adressée aux morts. La seule personne qui a parlé aux morts, Saül, il avait invoqué l'esprit de Samuel
il était mort. Il a été maudit par Samuel, il était mort. Et vous allez dire, Saül a pu invoquer l'esprit de Samuel. Oui, parce que dans l'Ancien Testament, les morts allaient dans le séjour des morts. Les gens qui mouraient, croyants ou pas croyants, allaient dans le séjour des morts. Car Satan détenait la clé des séjours des morts. Il gardait tous les morts prisonniers. C'est la raison pour laquelle l'archange Michel s'est disputé le corps de Moïse, parce que Satan réclamait Moïse, alors que Dieu n'avait pas arrêté avec le ministère de Moïse. Dans Apocalypse, nous voyons bien que les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, Moïse et Élie reviendront pour annoncer la repentance à Israël pendant la tribulation, après l'enlèvement de l'Église. Cela est écrit dans l'Apocalypse. C'est pour cela que Dieu avait besoin du corps de Moïse. Mais lorsque Jésus est venu à la croix, il a vaincu la mort. On dit qu'il a vaincu la mort, pourquoi? Parce qu'il est allé dans le séjour des morts, il a prêché la bonne nouvelle à ceux qui étaient rebelles au temps de Noé, et il a arraché la clé de séjour des morts. Et il est ressuscité. C'est la raison pour laquelle, à sa résurrection, quand il avait rendu l'âme, les tombeaux se sont ouverts. Comme dit l'évangile de Matthieu, les saints, les gens qui étaient morts dans l'Ancien Testament, tous les saints sont sortis du tombeau et sont entrés dans la ville sainte. Les gens les ont vus. Voyez. Donc, parler aux morts, ce n'est pas biblique. Quand vous parlez aux morts, ou à votre maman qui est morte, ou à votre père qui est mort, vous êtes en train de parler aux démons. Vous êtes en train de parler aux démons. Les morts en Christ sont au paradis. Et ceux qui ne sont pas morts en Christ sont dans le séjour de mort et ils attendent leur jugement, les jugements derniers. Mais quand quelqu'un a accepté Jésus-Christ, Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra point. Voilà, voyez, celui qui croit en moi ne mourra point, ne sera même pas jugé. Il passe, il va tout droit au paradis. Jésus a dit au malfaiteur qui était à sa droite et qui s'était repenti de ce péché, lorsque ce malfaiteur à la croix a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans mon royaume », Jésus lui a dit, « en vérité, je te l'ai dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. » Amen. Donc la prière adressée aux morts, malheureusement, c'est adressée aux démons. Et le culte de nos ancêtres, comme certains afros, beaucoup d'Africains, vous savez, moi je suis africain, je suis né en Afrique, je suis Mumbala, la tribu des Bambala, côté paternel, et tribu Baluba, côté maternel. Ma mère s'appelait Kalondi Mwadjambala. Mon grand-père était Kalondi, on l'appelait Tatu. Il était chef coutumier, détenteur du pouvoir de notre village. Notre village d'origine maternelle, c'était Chilenge. Sous-région Chilenge, village Chilenge, les Bwaka Kalondi. Voilà notre tribu. Vous voyez, dans mon village, une femme qui commet l'adultère, le tonnerre le tue dans mon village. Je parle devant la télé, tous les Congolais le savent. Dans mon village, chez les Baluba, nous avons des coutumes. Le culte de nos ancêtres, la magie noire est très fort chez nous. Nous réglons nos comptes avec les tonnerres.
toute la République démocratique du Congo avec 100 millions d'habitants, ils savent ce que je dis. Ils savent que je ne mens pas. Quand tu vas voler une femme Moluba, et sache que le tonnerre va te brûler. C'est une histoire, voyez. Donc, côté maternel, je connais le culte de nos ancêtres. Je connais ce que c'est que la sorcellerie. Alors, côté paternel, les Bambala. Les gens connaissent les Bambala. Nous avons une sorcellerie là-bas encore très poussée. Kindoki. On appelle ça Kindoki. Ma mère, ma grand-mère s'appelait Maman Mundele. Lisiki. Le mot Lisiki veut dire fille de la reine. Donc, ma grand-mère, apparemment, d'après nos traditions, descend d'une reine Mumbala. Et dans notre famille, Kibonge, le capitaine des léopards, le plus grand joueur de l'histoire du Congo, Kibonge, il était le capitaine des léopards numéro 14 ou 10. Il était le capitaine de la première équipe noire qualifiée au mondial, Kibonge, avec Ndaya Mutumbila, avec Kakoko. Alors Kibonge, c'est mon oncle, voyez. Donc, dans notre famille côté paternel, les Lisiki, nous avons une calebasse magique de la royauté. Cette calebasse, personne ne peut le voir, voyez, sauf quelqu'un qui a des yeux spirituels. Et c'est moi qui devais hériter de cette calebasse. Mais comme j'ai Jésus, les calebasses sont allées ailleurs. Ils ont dit, celui-là, il a Jésus, ça ne peut pas marcher. Alors, quand vous entendez parler du culte des ancêtres, je veux parler aux Blacks antillais. C'est quelque chose d'horrible. Le culte des ancêtres, c'est quelque chose d'horrible. C'est comme le vaudou. Le vaudou, c'est quelque chose d'horrible. Il n'y a pas pire que le vaudou. Voyez. Le vaudou, regardez, c'est le vaudou. C'est des cérémonies dans lesquelles le meurtre est permis, dans lesquelles la vengeance est permis. Et des pratiques, c'est de la magie. Le vaudou, c'est rien d'autre que la magie noire mélangée avec les traditions catholiques. Ils invoquent des saints, mais ce n'est pas des saints, c'est des démons qu'ils invoquent. Dans le vaudou, les actes sexuels barbares sont permis. La mutilation animale, on égorge les animaux, les sangs, on maltraite les animaux. J'ai eu le témoignage d'un monsieur, d'un frère qui a assisté au culte vaudou à Paris. Le prêtre vaudou, il a égorgé, coupé les ailes d'un oiseau vivant. Il a mis vivant dans un pilon et il a pilonné vivant et il a fait boire son sang à tous les participants. C'est ça le vaudou. Normalement, cela doit être interdit en France. Ce n'est pas une religion. Et quand vous allez consulter le prêtre vaudou, vous allez consulter le diable. Et tous ceux qui encouragent ces choses-là, sont condamnés parce que toutes les âmes qui sont séduites, qui sont égarées par cette sorcellerie, Dieu va vous redemander leur sang. Voyez, vous dites, ah non, nous les faisons pour l'argent, mais votre argent va aller en enfer. Si vous êtes prêt à donner les âmes des gens pour l'argent, vous allez payer cela tôt ou tard. Tous ces âmes innocentes qui sont égarées. Oui. Donc, le culte de nos ancêtres, c'est quoi? C'est de la sorcellerie. Et quand je parle de la sorcellerie, vous savez, vous ne posez pas la question pourquoi la plupart des Africains se tournent vers l'Évangile. Pourquoi la plupart des Africains se tournent vers l'Évangile? C'est vous, c'est les Antillais et les Noirs américains qui sont à la recherche de leur identité, de leur origine, qui se laissent séduire
par cette doctrine diabolique du culte de nos ancêtres. Va demander à tout Africain, va voir les Africains eux-mêmes d'origine et parle-leur de retourner dans leur culte des ancêtres. Ils vont vous envoyer promener parce qu'eux-mêmes, ils savent de quoi il s'agit. Voyez, c'est le cannibalisme spirituel et le cannibalisme physique. Voyez, certains pratiquent du cannibalisme physique. En Haïti, les gens vont jusqu'à manger leurs ennemis. Je ne mens pas, les Haïtiens peuvent vous le confirmer. En Haïti, il y a des gens qui ont une telle haine que quand ils tuent leurs ennemis physiquement, ils les mangent pour assoupir leur haine. Voyez. Et le cannibalisme spirituel, c'est quoi? Vous savez, au Congo, comme j'ai dit, quand quelqu'un meurt, en Lingala, on dit « balieye na bandoki ». Voyez, au Congo, on dit ça. « Balieye na bandoki ». Ça veut dire « les sorciers l'ont mangé ». Ce que je vous dis, si c'est faux, vérifiez-le. Ce que je vous dis, mes frères antillais, si c'est faux, vérifiez-le. Chez le culte de nos ancêtres, c'est du cannibalisme spirituel. Parce que Satan réclame le sang humain. Quand tu fais pacte avec Satan, il va te réclamer le sang humain. Il va te réclamer le sang humain en échange. Voyez. Le sacrifice, le meilleur cadeau que tu puisses donner au diable, c'est le sang humain. Alors quand tu rentres, au début tu parles aux morts, le culte de nos ancêtres, au début tu parles aux morts. Bon, tu penses parler à tes ancêtres, mais les morts n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais en réalité, tu parles aux démons. Tu ne parles pas aux morts. Je parle à mon père, papa, sauve-moi, papa, protège-moi. Tu vas au cimetière, tu parles aux morts. Oh, mon grand-père, je compte sur toi. Toi, tu penses parler à ton grand-père. Mais les démons familiers qui étaient dans ton grand-père, c'est eux qui vont réagir avec toi. C'est ça le culte de nos ancêtres. Ça, c'est le niveau primaire. Mais quand tu montes en grade, il y aura un moment donné où Satan va te demander le sang humain. Il va te demander de sacrifier quelqu'un de ta famille. Ou tu donnes ton père, ou tu donnes ta mère, ou tu donnes ton cousin. Voyez ce que dit Kanye West. Il ne ment pas. Kanye West vous dit, tel a sacrifié son père pour avoir du succès, tel a sacrifié sa mère, tel a sacrifié. Quand il est dit, on le prend pour un fou, parce que ça les arrange de le faire passer pour un schizophène ou pour un bipolaire. Mais ce qu'il vous dit, c'est la vérité. Parce que moi, je connais le culte de nos ancêtres. Comme je dis, je suis petit-fils d'un chef coutumier de Boakaka Longi. Tous les Baloubas connaissent la tribu Boakaka Longi. C'est une tribu voisine, cousine. Nous sommes une tribu cousine ou frère avec la tribu de Félix Tshisekedi, le président. Parce que notre ancêtre commun avait plusieurs femmes. Et chaque femme avait sa famille, a créé sa tribu. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, ce que Satan demande de plus, c'est le sang humain. Il va te demander, tu vas avoir du succès, donne-moi ton fils, ou donne-moi ta femme, ou donne-moi ton père. Et c'est dans la linguistique bantou, quand quelqu'un meurt, parce qu'il a été sacrifié dans le monde invisible ou mystique, on utilise un terme balayé, donc on l'a mangé. Donc, une personne, comment on tue une personne dans le monde? Je vous parle de qui des ancêtres pour que vous ne soyez pas naïfs, pour que vous preniez conscience où vous allez et en quoi vous vous engagez. Alors, je vais rentrer en détail parce que moi, je le connais. Je sais de quoi je parle, voyez. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Parce que je suis descendant d'un roi, d'une reine, côté paternel, et descendant d'un chef coutumier
des calongies côté maternel. Alors, je peux vous parler de cela. Ne vous laissez pas séduire quand on vous dit « retournez au culte de vos ancêtres » sous prétexte que Jésus-Christ était blanc. Qui vous dit que Jésus-Christ était blanc? Nous avons des preuves historiques que Jésus-Christ était noir. Vous voyez, ça ne change rien. Jésus-Christ, il est esprit. Jésus-Christ, c'est esprit. Que cela soit dans l'islam, on dit Jésus-Christ, c'est le verbe de Dieu, un esprit émanant de Dieu. C'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran. C'est le seul prophète qu'on appelle esprit de Dieu. Vous voyez, dans la Bible, on dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, que Jésus-Christ soit sur terre, incarné dans un corps d'un noir, ou dans un corps d'un hindou, ou dans un corps d'un chinois, ça ne change rien. Il est avant tout esprit. Il a préexisté avant son incarnation sur terre. Bon, maintenant, on veut nous faire croire que Jésus-Christ était blanc. C'est la raison pour laquelle il faut rejeter le christianisme. Si les catholicismes ont utilisé le christianisme pour coloniser et pour esclavagiser, ce n'est pas pour autant que c'est Jésus-Christ qui était derrière. Voyez ce que je regrette beaucoup. Nous, les Blacks, on se trompe, on fait toujours le mauvais diagnostic et on se trompe du chemin de développement. Pour développer l'Afrique, il faut le travail. Ce n'est pas la religion. La religion n'est pas faite pour développer un pays. Pour développer un pays, c'est le travail. Vous devez travailler, vous devez étudier. Et on doit se battre pour la démocratie parce que je suis convaincu que la démocratie marche avec le développement. Pourquoi? Parce que la démocratie, c'est l'arme absolue contre la corruption et le détournement des fonds publics. Là où il y a la démocratie, on peut dénoncer, combattre la corruption sans rien craindre. Tout le monde est pareil devant la loi. Mais là où il y a la dictature, là où il n'y a pas la démocratie, comme dans la plupart des pays africains, c'est le détournement des fonds publics, l'enrichissement, et cela bloque le développement de l'Afrique. Voilà. Bon, maintenant, on nous fait croire que pour que l'Afrique se développe, il faut qu'on retourne au culte de nos ancêtres. Mais non, c'est complètement absurde. Les Chinois se sont développés parce qu'ils ont pris en main leur destinée. D'abord, ils ont appliqué la politique de fils unique pour maîtriser leur démographie. Mais nous, les Blacks en Afrique, on est incapables de maîtriser notre démocratie. On se multiplie comme des lapins. Il y a 40 ans, au Congo, on était 30 millions d'habitants. 40 ans après, nous sommes presque 100 millions d'habitants. Donc, le nombre d'habitants se multiplie, mais l'économie recule, les revenus, l'agriculture, l'argent recule. C'est comme si aujourd'hui on vit avec 1000 euros, avec 4 enfants, et demain on se retrouve avec 20 enfants, mais maintenant on a comme budget 600 euros. C'est ça le problème de l'Afrique. Tant que l'Afrique ne pourra pas maîtriser sa démographie, et elle ne pourra pas se développer. Donc le problème de l'Afrique, c'est surtout ça. Le recours à la religion de nos ancêtres, c'est la pire des choses. Parce que quand quelqu'un meurt, on dit « balayé », ça veut dire « on l'a mangé ». Pourquoi? Dans le culte de nos ancêtres, je vais vous expliquer ce que vous appelez. Moi, je vais vous l'apprendre. Parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité. Dans le culte de nos ancêtres, quand tu veux devenir chef dans le monde invisible, dans le monde satanique, parce qu'il y a un monde, il y a une vie réelle et il y a une vie invisible. Je vais vous expliquer. Dans le culte de nos ancêtres, les gens ont deux vies. Il y a la vie réelle, cette vie-là que nous voyons, la vie matérielle, hein, la réalité. La nuit, quand on dort, il y a une vie invisible qu'on appelle
une vie mystique, la sorcellerie. Dans cette vie mystique, il y a aussi des plaisirs, il y a aussi des femmes, il y a aussi des maisons, mais c'est un monde invisible. Et dans ce monde, toute personne initiée a cette double vie. Bon, maintenant, certaines personnes initiées dans la sorcellerie, cette vie invisible est meilleure que cette vie réelle. Alors, pour être heureux dans cette vie invisible, il faut sacrifier. Par exemple, j'ai besoin d'être riche, d'avoir plusieurs femmes, d'avoir plusieurs maisons. Dans le monde invisible de la sorcellerie, je dois sacrifier parfois mes enfants dans le monde visible. Alors, dans la théologie du culte de nos ancêtres, quand tu veux sacrifier ton père ou ta mère, mystiquement la nuit, ton père est transformé en un cabri. Cabri. C'est-à-dire que tu donnes ton père. Et par la puissance occulte, ton père ou ton fils, la personne que tu as donnée à Satan, sera transformée en un cabri. Et dans le monde mystique, on va le sacrifier, on va le tuer. Et puis on va le manger comme on mange les cabris. Vous allez manger le cabri. Vous pensez manger le cabri, mais vous mangez quelqu'un. C'est la raison pour laquelle quand vous avez un songe, que vous êtes en train de manger la viande, surtout chez nous les Africains, quand vous avez un songe, que vous êtes en train de manger la viande, et même du cabri, dans le monde, quelque part, c'est une initiation à la sorcellerie. C'est ça le culte de nos ancêtres. On initie quelqu'un dans le monde mystique en lui donnant quelque chose à manger. On te donne un pain à manger comme la Sainte Cène. On te donne un bout de viande à manger. Mais dans le monde mystique, ce bout de viande, c'est en réalité la chair humaine. Et quand tu manges ce bout de viande, tu es initié dans le monde mystique. Ça veut dire que la nuit, tu vas dormir et automatiquement, pendant que tu dors, on va t'appeler et ton esprit va sortir de ton corps et tu vas entrer dans ce monde mystique et tu vas naître dans ce monde mystique. Comme dans l'évangile, on naît de nouveau, on devient une nouvelle créature. Un initié dans le culte de nos ancêtres, il naît de nouveau dans le monde mystique. Il est initié. Tu vas entrer dans un monde. Au début, tu auras l'impression de rêver. Au début, tu auras l'impression que tu es dans un rêve. Mais ce n'est pas un rêve. C'est un monde mystique. Quelle différence y a-t-il entre un rêve et cette vie occulte mystique? Un rêve, tu peux rêver que tu tues quelqu'un. Et le jour, tu vois la personne vivre. Tu peux rêver que tu tues un chien, par exemple. Le jour, tu vois le chien vivre. Mais dans le monde mystique, que j'appelle initiation à la sorcellerie ancestrale, dans le monde mystique, tu as l'impression de rêver. Mais les actes que tu poses dans ce rêve-là ont des conséquences dans la vie réelle. Par exemple, la nuit, je rêve que je tue ma sœur avec un couteau. Et le matin, je me réveille et dans la journée, je vois que ma sœur pique une crise cardiaque, il meurt. La nuit, je rêve que je brûle la voiture de mon voisin. Le matin, je me réveille et je vois que le voisin démarre sa voiture et la voiture brûle. Vous comprenez? C'est-à-dire que la vie mystique, le monde invisible mystique dans lequel l'initié né, c'est semblable à un rêve, mais dont les répercussions sont réelles, un rêve qui a des répercussions réelles dans ce monde. Je suis en train de parler de cela en détail pour enlever la naïveté dans laquelle la plupart de nos frères antillais, les descendants afro dans le monde, ont et qui leur fait tomber dans la sorcellerie, sous prétexte qu'il faut retourner dans le culte de nos ancêtres
on est en train de vous initier à la sorcellerie, au satanisme et au cannibalisme spirituel. Je ferai encore une autre vidéo pour expliquer encore en profondeur. Ces gens-là qui vous parlent de kit de vos ancêtres, ce sont des bandits. C'est comme les gens qui vendent la drogue à la jeunesse. Ils cherchent leur intérêt, mais ils détruisent la jeunesse. Parce que vous savez ce que veut dire quelqu'un qui devient dépendant d'une drogue. Alors tous ces gens-là, black, qui vous parlent de culte des ancêtres, la plupart sont des satanistes. Des satanistes et qui savent, c'est comme la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est l'occultisme. C'est du satanisme, la franc-maçonnerie. Mais au départ, on vous parle de solidarité, de la science, on vous parle de la fraternité. Tout ça, c'est du maquillage. C'est comme une femme qui se maquille. Tout ça, c'est du maquillage. Au départ, premier niveau, deuxième niveau, on vous parle que de science, on vous parle de fraternité, vous voulez l'argent, vous allez. Mais il y a un moment donné où il y a un niveau où on va vous initier au satanisme qu'on appelle, en termes magie blanche, projection astrale. Projection astrale, ça veut dire on vous initie comme dans la magie noire. Chez nous, les noirs, black, dans le culte de nos ancêtres, on appelle ça initiation à la sorcellerie. Mais votre corps, on vous donne un bout de viande à manger. Ce bout de viande qui peut être en forme de pain ou en forme de gâteau, mais mystiquement, c'est transformé dans ta bouche en viande humaine. Mais dans la franc-maçonnerie, il y a des initiations où c'est pareil, c'est parallèle. Mais sauf que la magie blanche est bien maquillée. La magie noire est crue. La magie noire, on vous dit, tu manges la chair humaine, voilà. Donne ton père, donne ta mère en sacrifice. La magie noire est crue, c'est comme le vaudou. Le vaudou encore un peu maquillé parce qu'on vous parle, vous priez les saints. Mais la magie blanche, ça paraît propre, c'est tellement maquillé que tu as l'impression de ne faire du mal à personne. Mais à un moment donné dans la franc-maçonnerie, tu entres dans une initiation où ton esprit sort de ton corps exactement comme dans la magie noire. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi je vous dis, moi, Bishop Eli, je devais hériter de pouvoir ancestral parce que je suis le fils aîné de mon père. Voyez, c'est moi qui devais hériter de pouvoir ancestral. Mais je ne suis pas allé. Donc ils ne m'ont même pas demandé de venir à l'enterrement de mon père parce qu'ils savaient que j'avais la puissance de Jésus-Christ en moi. Et le culte de nos ancêtres, les démons, ces démons-là, devant le nom de Jésus, ils ne peuvent pas résister. Voilà pourquoi Bishop Eli défie parfois les vaudous. Voilà pourquoi parfois moi, je défie les prêtres vaudous, je défie les sorciers ici en Guadeloupe. On m'a vu à la télévision lancer les défis aux sorciers parce que je sais que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Voyez, je délivre même les musulmans qui sont envoûtés. Voyez, mon ex-femme, la mère de mes enfants, était une musulmane que j'ai délivrée et elle a vu Jésus. La Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Je peux vous le dire. Dans la grâce de Dieu, j'ai affronté toutes sortes de démons. L'esprit de Belzébuth, l'esprit de Lucifer, toutes sortes de démons. Aucun démon n'a pu résister devant le nom de Jésus. Voilà, c'est pour cela que je vous dis, « Asaf de kibite en kapale ». Je sais de quoi je parle. Petit, na yibi masulona kubeta. Bokangama na Yesu. Jésus. Ma famille s'est tournée vers Jésus. Parce que dans le culte de nos ancêtres, il fallait qu'on me sacrifie. Moi, dans le culte de mes ancêtres,
j'ai quelqu'un de ma famille, on lui a demandé, il fallait qu'il donne quelqu'un, il a donné Élie. Il a donné Élie. J'étais un innocent. Je n'ai rien fait du mal. J'ai fait du mal à personne. Mais quelqu'un dans ma famille, initié à la sorcellerie, il a voulu avoir plus de pouvoir dans le monde mystique, dans le monde invisible, qu'on appelle monde nocturne. On lui a demandé de sacrifier quelqu'un. Alors, il a jugé bon que c'était Élie qui devait mourir. Ah! Et la personne a dit à ma mère, pour qu'il y ait la paix entre moi et toi, il faut amener un cabri vivant. Et quand ma mère a voulu amener un cabri, on lui a dit par les frères, Dieu a donné une révélation, n'amène pas un cabri, n'accepte pas ça, parce que ce cabri-là représente ton fils aîné qu'on veut sacrifier dans le culte de vos ancêtres. Alors, je n'avais pas d'autre issue que Jésus. Parce que j'étais sacrifié déjà. Je ne devais plus être vivant aujourd'hui. Je me suis tourné vers Jésus. Et Jésus a tout nettoyé. Jésus a tout nettoyé. Et je peux encore lancer un défi. S'il y a un sorcier africain, je lance un défi. Vous qui prêchez le culte de vos ancêtres, s'il y a un prêtre vaudou, s'il y a un sorcier africain, je parle sur YouTube, je parle sur les nets et je parle aussi en direct de la télévision. Ce gros programme va passer en direct de la télévision. S'il y a quelqu'un qui estime qu'il est plus puissant que le nom de Jésus, je demande confrontation. Je demande confrontation. Jésus-Christ habite en moi, enfant de Dieu. Jésus-Christ habite en toi. Vous ne devez pas aller consulter ces escrocs-là, hein? Les prêtres vaudous, les marabouts, ce sont des escrocs. Vous êtes des enfants de Dieu. Jésus-Christ habite en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter ces gens. Vous n'avez pas besoin. La puissance de Dieu vivant étant avec vous. Voilà le message que j'aimerais vous dire. Ne vous laissez pas séduire par cette doctrine diabolique, par ces mensonges. Oh, il faut retourner au culte de nos ancêtres, il faut retourner. J'ai des choristes qui ont abandonné Jésus pour retourner au culte de nos ancêtres. J'ai une choriste qui était dans mon église en Guadeloupe. Maintenant, je ne sais pas s'il a déjà été initié à la sorcellerie. Et j'ai encore une autre choriste qui était en Martinique maintenant, que certains Africains ont initié. Ces Africains-là qui vous parlent de culte de vos ancêtres, ce sont des sorciers, des vrais sorciers, des agents du diable qui vous détournent de la vérité du Christ. Venez à Jésus. À Jésus, Jésus-Christ ne demandera pas de sacrifier ton père, de sacrifier ta mère. Jésus-Christ ne vous demandera pas de donner le sang humain. Jésus-Christ, il vous demandera plutôt d'aimer ton prochain comme toi-même, de pardonner à ceux qui t'ont offensé. Venez à Jésus, donnez votre vie à Jésus. N'allez pas dans le culte de nos ancêtres, voyez, c'est un raisonnement absurde. Si mes ancêtres étaient des cannibales, alors je dois devenir cannibale. Votre raisonnement est tellement ridicule et stupide. Si mes ancêtres, voilà les Indiens d'un cas, c'est la civilisation la plus sanguinaire qui n'a jamais existé sur Terre. Les Indiens des cas, on dit que c'est la civilisation la plus sanguinaire. Alors vous allez demander à un Indien des cas de retourner au culte de ses ancêtres, voyez, et pour qu'il aille égorger sa famille, voyez, les Gaulois, le christianisme ne vient pas des Gaulois. Le christianisme est né au Moyen-Orient, en Israël, en Palestine, voyez. Alors, vous allez demander aux Gaulois de retourner au culte de leurs ancêtres. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous, les Blacks africains, nous avons toujours des raisonnements absurdes et parfois ridicules. Pardonnez-moi, nous sommes champions du monde en ridiculité. C'est comme ce monsieur ivoirien qui s'est dit Dieu. Il y a un monsieur ivoirien qui s'est dit Dieu. Et il fait des réunions. Il y a des abrutis qui vont encore là. Il y a tellement des abrutis qui vont là-bas.
Et puis il leur dit, c'est moi votre Dieu, c'est moi qui a créé le ciel et la terre, c'est moi qui a créé toutes choses, je peux vous tuer, je peux. Franchement, Bachi dingi dingi. Bon, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je me suis senti poussé à aborder ce sujet. Ne vous laissez pas séduire avec cette fausse doctrine du culte de nos ancêtres. Venez à Jésus. Le culte de nos ancêtres, c'est du satanisme, la franc-maçonnerie, le vaudou. Culte de nos ancêtres, c'est du satanisme, hein, à la base, qui est rien d'autre une forme de cannibalisme spirituel. Que Dieu vous bénisse. Voilà un peu ce que je voulais aborder pour cette émission spéciale. Écoutez-moi ça. Mais si là c'est vous bon Dieu musique là. Aujourd'hui là nous allons danser pour Jésus. Ah, bougez, papa, bougez maman. Nous allons bouger pour Jésus. Parce que là nous allons danser, nous allons bouger. Bon Dieu content. Dieu siège au milieu de la louange. Bible a dit, louez l'Éternel avec une danse. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je leur dirai, retirez-vous l'un de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et ici à Radio, tu pries très bien. Hein, pasteur, tu prêches bien l'amour. Est-ce que l'amour est vérité dans ta maison? Est-ce que tu aimes ta femme? Dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça? Vos autres répandis, produisez le fruit digne de la repentance. Démonio